Bonjour et bienvenue sur monétang.fr. Bon, allez, comme vous le savez, la pêche, c'est ma passion. Et l'été, je continue à pratiquer cette passion, même au camping et même quand il pleut, comme il pleuvait cette année, parce que là, vraiment, on a beau nous dire que c'est un été normal, moi, je pense que c'est plutôt, et comme beaucoup de personnes, un été pourri. Eh bien, je vais à la pêche, parce que même au camping, en ce mois de juillet, on a eu quand même quelques journées à peu près agréables. Bon. Alors là, je vais vous parler d'un étang qui est à côté du camping. C'est une ancienne gravière, c'est-à-dire un étang assez profond, aux eaux assez froides, mais extrêmement, extrêmement poissonneux. Cette année, il est particulièrement haut, hein, cet étang-là. On a bien 1 mètre, 1,50 m de plus d'eau que d'habitude. D'ailleurs, vous voyez aux petits arbres là qui sont noyés. Alors, on a pratiqué 2 sessions de pêche dans cet étang. Bien sûr, alors c'est on pêche comme on pêche en été, hein, c'est-à-dire que on pêche le gardon, là, que vous voyez, on avait attrapé 100 de gardons, avec quelques dégâts collatéraux, quelques gardons qui sont morts mais qui ont fini dans l'assiette. Et puis, on a pêché aussi la carpe. Là, mon gendre qui pêchait la carpe avec un feeder et puis du maïs, eh bien, il a capturé une carpe plutôt sympa. Qui faisait une 50aine de centimètres, là, un peu plus de 50 centimètres, 53 centimètres, si je me souviens bien. Et puis, eh bien, je vais vous laisser regarder quelques images qui correspondent au combat qui ont permis de ramener cette carpe. Une carpe, bien sûr, que l'on a bien traitée derrière, hein, puisque elle a fini relâchée, elle est retournée voir ses congénères pour être repêchée une prochaine fois. Alors regardez-moi ce beau poisson là, qui était bien vif, hein, qui combattait bien comme il faut, qui était en pleine forme. Regardez-moi ce beau poisson qui va se faire agnoter, comme on dit chez moi. Hop, le voilà. Ah oui, il est belle. En pleine forme. Prêt à se faire mesurer, être décroché. Proprement, puisqu'il était piqué Piqué au fond? au bord des lèvres. Et carpe qui est ensuite retournée tranquillement dans son milieu pour se faire sûrement repêcher un autre jour. D'ailleurs, j'y suis retourné le lendemain et moi, à mon tour, bah, j'ai attrapé une carpe, mais cette fois-ci, la carpe, je l'ai pêchée à la bouillette, parce que c'est une des pêches que je pratique. Mais j'avais aussi repéré des chasses sur mon coup de pêche et j'ai attrapé ce qui venait se faire voir sur le coup de pêche, c'est-à-dire un petit brochet. C'était vraiment un brocheton, hein. Il faisait une 30aine de centimètres. Mais j'étais quand même assez content de ma pêche. Donc c'est sur ces images que je vous quitte, sans oublier de vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube, à visiter mon site internet www.mon-étang.fr et ma page Facebook, Un étang, une passion. À bientôt!